ik ben Oscar Tizon, ik ben de grote broer van Charlotte Tizon die vandaag kampioen speelt bij Anderlecht. En in vorm? Ja, zeker. En ik hoop dat ze gaan winnen met 2-0. I have a lot of curiosity to see how they're gonna play today. I'm also here to do the kickoff, so I'm pleased to be here and hopefully they become champion today. Je n'aime pas le dire avant, donc c'est vrai que si on a les 3 points, on restera encore premier ce soir et jusqu'à la fin de la saison. Quand vous pensez que le club attend cela depuis 20 ans, ce serait vraiment formidable de pouvoir le faire sur notre propre terrain. La recette secrète, c'est d'avoir plus envie que l'autre équipe de gagner. Parce que techniquement, tactiquement, on est prêt, on sait ce qu'on a à faire, mais il faudra avoir plus envie que l'adversaire. Dat is nu geluk van te mogen spelen met een druk. Van te kunnen winnen en van te moeten winnen. Oké, dan. Denk eraan. Nu geluk. I think they're gonna win. I think they're gonna win. Quand on marque 95 ou 97 buts sur une saison, quand on a un match nul, deux défaites et donc 17 victoires, je crois que c'était normal qu'on devienne champion. C'est aussi un ploeg qui est très gehecht is. En dat is, ik zeg het, dat is als je dat niet hebt in groep. Het is een hele goede groep. We hebben goede stages gedaan. En ik denk dat we, ja, we hebben gezien het op terrein, maar dat is eigenlijk bak. Er zijn er heel veel die er lang hebben op gewacht. Dus we gaan zeker een lange nacht tegemoet. Ik denk dat iedereen ons beschouwt als de sterkste ploeg van de reeks. Maar dan is het nog altijd aan ons om te vervestigen. En ik denk dat we over het algemeen enkele heel goede wedstrijden hebben afgelegd. Dat we ook geëvolueerd zijn als ploeg. Dus ja, ik kijk wel heel positief terug op het seizoen. Je souhaite dédier ce titre à notre nouveau président, monsieur Cook, bien sûr. Hein.